les lumières tout de suite. Installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, à manger. Prenez votre petite couette et tout, même s'il a fait chaud. Et c'est parti, House of Ashes, c'est maintenant. C'est trop bien. Alors, bah nouvelle histoire, hein. Le monde souterrain, grotte de sable. On y va. Alors, Clémente, vous avez de bonnes chances de survie. Difficile, vos talents seront mis à l'épreuve. La mort est inévitable. Bah on va se mettre en difficile, hein. On va pas se mettre en Clémente. Non, non, difficile, difficile. Nous, on est des cracks. On y va. Oh. Oh, j'espère que le... Oh là là, putain. Meilleure soirée. Meilleure soirée de la semaine. Franchement, ça régale. Hein. Ah ouais, café oblige, allez. Faites-vous plaisir, les copains. C'est en train de charger. On va rentrer en jeu dans quelques instants. Je vous ai mis le jeu en français. J'ai activé les sous-titres aussi, bien évidemment. Pour que ce soit plus agréable pour vous. Merci Anonymous Anonyma pour les 10 bits. Merci. Ça marche. Alors là, on est en plein chargement. À moins qu'il faut cliquer. Peut-être, hein. Il fallait cliquer. Je n'ai pas cliqué. Satellite sweeps of the war zone have uncovered what appears to be an underground storage facility. But I strongly suspect c'est un trailer. Where chemical weapons are hidden, so we need to move fast. Man out, hold fire. We're gonna sigh out this shit. This raid's a bust. These people are not the enemy, they're just shepherds. Down, get down! They're up on the ridge! Return fire! I'm hit! This is getting worse. Ok, donc là c'était juste un trailer, d'où le fait que ce ne soit pas en français. Mais là par contre, quand on va rentrer en jeu, je pense, hein, vu qu'il me l'a demandé tout à l'heure, que le jeu sera en français et sous-titré français, bien évidemment, pour votre confort. Et pour le mien aussi, parce que je ne sais toujours pas parler anglais ni le lire. Oh, je suis trop contente. Je suis surexcitée, c'est un truc de fou. Ok, c'est à moi. Merwin, Jason. Ok, retrouvez les forces alliées, trouvez Jason. On est tombé à 52 pieds de profondeur. C'est à nous. C'est maintenant. Appuyez sur Q pour allumer ou éteindre votre torche. J'imagine que là... Alors, quelle est la touche du coup? Ok. Jason! Faut savoir que là, je regarde en l'air, je peux pas baisser ma caméra. Jason! Je suis là, vieux! J'y suis presque! Allez. Ça va être très compliqué, je préfère vous prévenir, mais on va y arriver. Putain, mais dites-moi que c'est une blague. On a l'air d'a dit la même chose. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Putain. Ah! On va se faire gober! C'est son nom, pas Zouzou. Oh là là, moi j'y vais pas, je vais me faire goumer, hein. Il y a Batman au fond. C'est quoi cet endroit? Thank you.
panique. Tu parles d'un patelin. Mais bordel, où est-ce qu'on a encore atterri? Faut remonter à la surface, retrouver le reste de l'équipe et demander une médévac. On se trouve pas dans une cache d'armes là, mais on peut pas dire que ça manque d'Irakiens. Nick? Sergent Kay, il faut te ressaisir. Allez! Hé, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un truc. Comment ça, t'as vu un truc? C'était pas un humain. Dans le tunnel. J'aurais jamais dû quitter l'hélico. Putain, je le savais que t'étais pas encore prêt. Mais nom de Dieu! Pas la peine de mêler Dieu à toutes ces conneries. Maintenant, t'as intérêt à fermer ta gueule. T'as intérêt à te ressaisir immédiatement ou on va se faire buter tous les deux. C'est pas des conneries. Stop, c'est terminé, sergent. T'as vu que dalle. Hé, quelque chose cloche. Y'a quelque chose qui cloche. Y'a un truc qui cloche. Je sais que tu le sens. Ce que je sens pour le moment, c'est que tu commences à me les briser. Oh, j'y vais. T'as déjà vu un truc pareil? C'est quoi cet endroit? Je sais pas. Pourquoi il me laisse passer en premier? Oh, je dois inspecter quelque chose. Ok, donc là, les prémonitions, c'est sur des tablettes. Dans ça ou ça fâche. Ils sont rien. Quoi, Nick? Qu'est-ce que je devrais sentir? Bah, je sais pas, la merde peut-être. J'ai pas un truc. J'ai peur. Que dalle. T'es sûr de ça? Allez, avance, mec. Avec moi. Oh là là, j'ai peur, hein. Je sens qu'il y a pas Zouzou dans le coin. Ah! Attends, il est là, mais... Si tu fais tab, ok, donc on a les informations sur lui, c'est exactement le même mécanisme, la même mécanique que l'autre jeu. Fouiller les ruines, ok, bah je fouille, moi je fouille. Alors attends, parce que justement, mec, viens voir, j'ai trouvé un truc ici. C'est où? Là, viens. Martin, viens là. Bah, il veut pas. Il s'en fout. Il me dit quelque chose, Martin, là. Il me dit, va là-bas. Vous voyez? Il ne me lâche pas. Ah, attends, on va aller voir. Oh, oui, effectivement, Martin avait raison. Une porte. Ce truc est plus lourd que prévu. Aide-moi. Je vais avoir besoin de tes muscles. Plus tes abdos. C'est Merwin. Ah merde. Bon sang, je fais de mon mieux. Arrêtez un peu de chicoter aussi. Il perd trop de sang. Il faut qu'on l'exfiltre plus vite. Tiens bon, mon pote. On est là. Nick, j'ai besoin de toi. Coupe-moi ces câbles. C'est moche, là, il est foutu. T'as conscience que je t'entends? Tu vas t'en tirer, mon grand. Accroche-toi. La morphine dans mon sac. Prends-la. On va te remettre sur pied. Merde. Maniez-vous un peu. On fait vite. Montez la garde. La garde? Quoi? C'est pas vrai. Qui a préparé ces sacs? Alors ça... Ça, c'est Batman. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? Clarisse?
Oh putain, si je dois courir, je suis foutu. Mais c'est quoi ce bordel? J'ai pas vu, j'ai pas vu. En avant. Merde, il perd trop de sang. Faut arrêter l'hémorragie. Ça donne quoi? Tu veux la version cool ou pas cool? C'est la merde. Sois honnête avec moi. On va pas se mentir. C'est pas joli du tout. Je sais pas ce qui rôde, mais il les attire. Il s'agit de trop. Pas plus vite de la morphine. Ferme-le. Ferme-le, putain. Je suis mort, tu vas finir par le tuer. Nick, j'ai besoin de toi. Tu vas le tuer. Nick, tu vas l'étouffer. Je sens plus son pouls. Ah, je le sens plus, putain. C'est pas vrai. Je voulais pas. Nick, c'est fini. Merwin est mort. Ah. On se bouge. Bon, alors déjà un mort, hein. Bah oui, mais bon. أنا الملازم سليم عثمان لكل الجنود. أنتوا فين؟ حول. أنت فين؟ وأنت على ماشي؟ كابتن دار، هذا تسمعني؟ عندي رسالة، حول. كابتن زفت. On est foutu. Taux de survie 0,2. دار، إذا قدرت تسمعني، أنا مش عارف في 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 كهف، بحاول أخرج، حول، أخس، Attendez. C'était ça. Ok, on l'a. تحم أسمع موسيقى احتفال عيد ميلاد ابني. لا دق على باب انا لا لما كان جايين لما كان جايين بص احنا فين دلوقتي هم ما عارف انا فين في حد موجود هنا اغد دوغيلي كوم سا سا فا با او كوا في حد هناك حد سامعني putain je remets la lumière Oh là là. Il est mort, mort. Il est grand, là, qu'il y en a.
Et la touche Q, du coup, forcément, ça m'éteint, allume le bordel. Oh ! Nouvelle tablette ? Alpazouzou, il fait de la manucure ! Oh la vache ! Oh là là ! Mal. Il a plus d'armes. Putain. Ah bah oui, hein. Ça va péter. Oh, je dois avancer. Putain! Oh là là, le clic a failli être raté! Je fais quoi là? Je ferme! Comme on dit, un pas zouzou de perdu, 10 de retrouvé. Bien que tout va s'effondrer. Est-ce que ça va? Où sont les soldats? Ils sont où les soldats? Où sont passés les soldats? Je sais pas. C'est allé trop vite. Le sol m'a comme avalé. T'as vu le sergent Kay et Kotchek? La dernière fois, ils étaient ensemble. J'ai essayé, mais il y a quelque chose qui brouille le signal. C'est peut-être une autre issue. Je sais pas. Tu peux compter sur moi ou c'est notre seule option? Écoute, c'est notre seule option. Hein. C'est la seule solution. Allez. On n'a plus trop le choix.
Depuis quand tu donnes les ordres? Diriger, c'est mon boulot. Mousqueton, extenseur, corde, lampe. Merde. Ok. C'est bon? C'est bon. Allons-y. Une jolie chute vers l'inconnu. On a une corde. Regarde, il y a un courant d'air. On escalade. Depuis quand tu fumes, toi? Pardon? Ton briquet? Oh, c'est rien. Je l'ai pris comme ça, à la base. Pareil. Et toi? Cet endroit n'a vraiment rien d'une cache d'armes. Alors pourquoi a-t-on été attaqué? Ça te ferait plaisir à vous. Tu jubiles ou je me trompe? Qu'est-ce que tu sous-entends? Oublie, je ne sous-entends rien. Ah, mes liens avec Rachel se sont un peu froissés, si je puis me permettre. Hein. Pas mal. On va dire qu'on est en train de passer un bon moment. Toi et moi, on n'a jamais eu la même notion des bons moments. Ça te rappelle pas le bon vieux temps? Pierre qui brille. Quoi? La solitude, tu veux dire? Avance. Je me laisse pas tout faire toute seule, hein. Il va falloir s'étonner si Pazuzu arrive. Hein. Ça paraît stable? Ouais, ça a l'air. Retrouver les forces alliées, rester près de Rachel, fouiller les ruines. Va pas loin, va pas loin! Ils ont dit rester vers Rachel. Quand t'es parti, j'ai dû me faire à la pression. Ah! Ah! C'est chelou là, la caméra, elle fait des trucs bizarres. Je vois pas pourquoi je dois regarder ça. C'est quoi ce lieu, tu crois? J'en sais rien. On dirait des gravures religieuses. Alors ça, c'est la statue de Pazuzu, par contre, c'est vrai. Secret trouvé. Ancienne idole représentant Pazuzu, une divinité démoniaque sumérienne. Ah oui, d'accord, on a l'arbre ici, ok. Pazuzu quoi? Pazuzu. Tu regardes pas de films d'horreur? Tu connais la réponse. C'est un démon sumérien. Il est lié à des fléaux, je crois. Fléau et démon. Cool. C'est impressionnant. Je m'attendais pas du tout à ça. Pareil pour moi. Cool, pile ce qu'il nous faut.
J'arrive. Tu penses qu'elle s'ouvre ? On dirait bien qu'elle est scellée. On fait comment ? On descend ? Meuf, on fait comment ? Bon bah... On examine, hein ? YOLO, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas entendu ? J'ai rien entendu. J'ai cru entendre un truc. Même en ruine, cet endroit est vraiment unique. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Des coups de feu. D'où ça peut venir ? Faut qu'on se bouge. Est-ce que tu vois quelque chose ? C'est profond. Tu crois que c'est risqué ? On n'a pas le choix. Prends la corde. On descend. C'est impressionnant. On n'est pas les premiers. Bon sang. C'est sûrement ça que Kélus a détecté. Comment tu as pu te tromper à ce point ? Je regrette, Eric. Je regrette. Désolée pour toi. Vraiment. T'as bossé dur pour ces recherches. Tu n'imagines même pas. Faut pas t'en vouloir. Je retiendrai la leçon. Je vais mettre les bouchées doubles pour réécrire le programme. Kélus sera encore plus puissant. Tu ne m'en crois pas capable ? Tu ne crois pas en moi ? Tâchons de sortir d'ici. Tu as fait assez de dégâts. On sort d'ici. Inutile qu'on se flagelle pour ça. Concentrons-nous sur le présent et trouvons un moyen de sortir. C'est quoi ce bruit ? Un affaissement ? À cause des répliques ? On dirait du matériel archéologique. Quelqu'un a étudié ces ruines. Ces lampes pourront nous être utiles. Il va allumer une lampe, le gars. Les soldats jusqu'à nous. Il va y avoir pas de doute direct. Tu crois que ça marche encore ? Puis le bruit. Le bruit que ça va faire. J'en suis sûr. Faut du carburant. Bah oui. On doit en trouver. Oh, pars pas sans moi, reviens. Mais qu'est-ce qu'il fout ? Je regrette de pas avoir demandé de renfort aérien. Eric, regarde ça. Mais pourquoi mettre une mitrailleuse ici ? Ouais, qu'est-ce qui se passe là ? C'est un modèle de la Deuxième Guerre. Ça correspond à l'époque des archéologues. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est pas... Tu sois, Nick. J'espère que ça... Pardon. Il est là, l'autre. Il y a un truc ? Non, c'est rien. Non mais attendez, il y a une statuette. On a encore des trucs. Moi j'y vais, hein. Oh putain. Oh, c'était peut-être pas le bon bail. Qui est-ce qu'il pouvait affronter ? Va-t'en. Va-t'en, Ashley. Oh, j'ai peur que ça me Merde. Pète. Un sacré tas de feux d'artifice. Ok, donc il y avait vraiment... Ils ont mis en place des défenses, les gars. Donc ils se battaient contre quelque chose. À toutes les unités ici, King. Quelqu'un me reçoit. Terminé. Vous fouillez, hein.
C'est comme ça, là. On peut peut-être monter tout là-haut et fouiller. Moi, j'y vais, hein. C'est peut-être pas le bon bail, mais bon. Regardez-moi cette chaise, là. Ce trône. Bon, j'ai pas l'impression qu'on puisse fouiller. On regardera la deuxième run. Plus en détail. Là, je vais aller le follow parce qu'il m'attend. Après, je me dis, est-ce que Pazuzu, c'est vraiment le grand méchant? S'il faut, Pazuzu, c'est le protecteur de tout ça. Comment s'en sortent les autres, tu crois? C'est des durs. Je me fais aucun souci. Ils tiendront le coup. Tous les moyens de défense, là, qu'ils avaient mis. Attendez, on va aller voir. Il y a énormément d'informations, ici. Ah, une lettre. La malédiction d'Akkad, par Aline Journeau. Si l'espèce... Ce temple était... destiné à apaiser les dieux. Si les spécialistes considèrent la malédiction d'Akkad comme une fable, une histoire didactique visant à enseigner aux Sumériens à supporter la famine, le destin et les humeurs des dieux, la découverte de ce superbe temple l'éclaire sous un jour nouveau. Dans l'histoire d'origine, le dieu Enlil, je sais pas comment ça se prononce, se retourne contre le roi Naram-Sin d'Akkad. Au départ, ce dernier se montre pieux et pénitent. Je sais pas. Il supplie les dieux de lui donner des réponses, mais n'en ayant reçu aucune, au bout de 7 ans, Naram-Sin décide de leur demander des comptes. Après avoir soulevé une armée, il entre dans la ville de Nippur pour mettre à sac le temple d'Enlil. Le blasphème est tel qu'Enlil, la tempête impétueuse, rassemble les dieux contre Naram-Sin et envoie... Oh là là, les rasés à 4, détruire... C'est enfermé et condamné ses habitants à la famine. Pas falloir s'étonner si ça part en latin. Il n'y a aucune trace historique de la destruction du temple par Naram-Sin. Toutefois, notre découverte ici suggère que cette malédiction était basée sur des faits réels. Le roi Naram-Sin a construit ce lieu pour honorer les dieux. Un grand nombre d'objets que nous avons trouvés dépeignent le roi en train de prier le ciel pour que les dieux réintègrent la vie spirituelle de son peuple. Le fait que ce temple ait été laissé à l'abandon laisse penser que la malédiction n'a pas pu être brisée. Retenez l'histoire. Retenez parce que je pense qu'on va en bouffer. Retenez juste ça, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. On doit absolument allumer ces lampes. J'y vois que dalle. C'est quoi ça? C'est du scotch? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Prends ça, merci. Ici King, à toutes les unités, vous me recevez? Terminé. Attendez. J'ai failli faire tomber ma boîte, c'est pour ça. Il est où? Il est parti où, Martin? Parce que là, on a encore pas mal d'informations là-dedans. J'ai envie d'y aller parce que j'ai envie de savoir un peu plus, mais bon. Eric, viens m'aider avec ces bidons. La chance a fini par revenir. Ça va, ta jambe? Quoi? Oh, tu parles de ma prothèse. Ma jambe, elle est restée sur l'autoroute. Ne me dis pas que tu vas me ressortir le même refrain. C'est le passé, et ça craint. Mais on peut absolument rien y changer. Un conseil. Tourne la page. J'ai tourné la page. Mais c'est toi qui conduisais, tu te souviens? Oh, ferme-la, Eric. Merde. Allez. Je les imagine allumés, là. Et j'imagine pas Zouzou regarder dessus. Mais putain, mais c'est quand même fou! Je connais l'histoire! Ne le faites pas! C'était sûr. Oh merde. Un problème? C'est desserré. Cette saleté de valve fuit. C'est réparable? Non. Faut resserrer le tuyau avant de lancer le générateur. Il y a forcément de quoi le réparer. Non. Tu t'en sors? Ah, j'avais le scotch.
J'avais vu le scotch, du coup c'est peut-être pour ça qu'il l'a pris direct. On peut parler maintenant ? Comment ça, on peut parler ? Ça dépend. À quoi tu penses ? À la base, tu as dit qu'on parlerait quand ce serait le bon moment. Ici, on ne risque pas d'être dérangé. Parler de quoi ? Ce n'est pas le moment. C'est le pire rencard de ma vie. Vas-y, je dis rien. T'as raison, c'est peut-être pas le bon moment. On parlera quand tu seras prête. Tiens-moi ce tuyau. C'est bon. Et aide-moi avec ce panneau. Regarde un peu leur état. Elles sont mortes. On pourrait faire en sorte d'éviter de s'engueuler. J'essaie de bosser. Quelle ambiance ? Pourquoi on a tout caché ? J'ai essayé. Mais t'as rien fait pour que je reste avec toi. On aurait dû s'accrocher. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année, je l'ai consacrée à Kellus, et j'ai fait abstraction du reste. Sympa. La belle excuse. Ton travail passe avant nous. Non, non, c'est pas du respect. Je vais rien dire. Je suis dégoûtée. Il m'écœure. Comportement de merde. Rachel. Dis-moi ce que tu penses. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas. Oh, mais c'est pas maintenant qu'il faut dire ça. À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... maintenant, tout paraît plus simple. On a encore une chance. C'est du passé. Allez, faut être optimiste dans la vie, hein. Allez. Peut-être qu'on a encore une chance. Mais allez, maintenant, on passe à autre chose, parce que... Ça devrait marcher. Allumons-le. Bon, il va se faire crever en 2-2, il y aura pas de chance, tu vas voir. Ah, ça fait de la lumière! Il osera pas sortir. Il avait l'air d'avoir peur de la lumière tout à l'heure. On a du jus. Si ces gens ont pu entrer, c'est qu'il y a une issue. Fouillons les environs. Ça va. Mais qu'est-ce qui se passe ici, putain? Merde. Je me mets bien. Oh là, ça m'a tiré. Oh, je veux lui mettre des balles. Pas Zouzou, je suis désolée. En pleine tête. Mais il a une jauge de vie. Jauge de vie ou jauge de temps? Traverser ou contourner? Traverser, au moins il y a de la lumière. Oh, j'ai peur. Dans 2 secondes, ça va mal finir. Hein. Cette merde. Ah oui, donc les trucs te montent dessus littéralement. Moi je pensais que c'était un peu le boss de fin. Non, le truc te démonte et essaye de... Donc ok, il est pas du tout gentil. Allez. Après on est chez lui, y a pas Zouzou, hein. Je peux comprendre que ça le fasse chier, hein. On va aller là-bas. Peut-être qu'on aurait dû escalader pour sortir de la caverne. À mon avis, si ces gens étaient bien là avant nous, c'est qu'il y a une autre issue. Le 14 octobre 1946. Faisait peur aux habitants. On peut les comprendre.
14 octobre 1946, Randolph. J'espère que vous allez bien. Notre expédition jusqu'au site de fouille a pris du retard. Nous avons dû laisser des équipements lourds à Soran, je sais pas trop quoi. Car Pullman n'a pu engager que la moitié des hommes et des mules qu'il nous fallait. Les ouvriers ont refusé d'aller dans les montagnes. Ils sont superstitieux. La dernière fois qu'on demandait d'aller dans les montagnes et qu'il y avait une histoire de superstition, c'était dans Until Dawn avec des Wendigo. Tout ce que j'ai à dire. Et affirme qu'ils risquent d'être possédés par des démons. Ils ont même refusé les deux dinars de prime chacun, okay, qu'on leur a proposé. Nous avons aussi laissé à l'agent le deuxième générateur et la radio de secours. Nous devrions vous rejoindre d'ici le 18 cordialement, Aline Journeau. Ok, donc c'est sûr, il faut croire les gens, il y a un mauvais bail là-dedans. Allez, on va à la radio. Parti. Eric, regarde ça. Tu crois qu'il fonctionne? Essayons. Ok. La bande est toute emmêlée. Ça va, c'est réparable. Ah non, arrête, hein. Quand est-ce que t'as retiré ton alliance? Oh putain, mais c'est pas le moment! La tienne, tu l'as ôté quand? Jamais. Elle est contre mon cœur. Franchement? Tu as toujours été un type bien, j'ai tourné la page. Allez, bon, on va dans le romantisme, on a que ça à foutre, là. On y va. Qu'est-ce que tu fais? T'es un mec bien. Peut-être trop bien pour moi. Non, mais là, tu forces. Je n'ai pas oublié ce que cette bague représente. Il va y avoir un screamer entre. Je veux que tu reviennes, Rachel. Il y a quelqu'un d'autre maintenant. Ça marchait bien, nous deux. Oh, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Réponds pas. Bah réponds pas, vas-y, là, c'est pas le moment, de toute façon, on va pas... Lui dis pas, ça va foutre le bordel, là. Vaut mieux lui dire à l'extérieur. Je crois, oui. Qu'est-ce que t'attends de moi, Eric? Tout simplement la vérité. Je comprends pas. Oh merde. Ça c'est... mieux que tu le crois, Rachel. Tu as menti pour le briquet et pas pour me cacher que tu fumais en secret. Eric, je arrête. Veux la vérité. Ne fais pas ça. Admets-le. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Non, mais c'est pas le moment. Les eaux de ce temple baignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Une malédiction qui prend une forme purement indescriptible. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscient des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes vers la peur. Je crains de dépasser, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité, Marie, pardonne-moi. Reprends pas la discussion. Oui. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, il vise mal, hein. Je sais pas pourquoi. The hell's going on? Oh. J'en sais rien, Nick. Je ne parle pas anglais. C'est censé se dérouler comme ça. Patrouille, ici King. Pense-toi, répondez. On subit des tirs, quelqu'un reçoit, terminé. That's right, John. Oh, I don't speak English. Mailman 2-1-Actual, say again, over. Oh là là, je ne... King, this is Mailman 2-1-Actual, how copy, over. Oh, il s'enfonce de pire en pire. C'est de la folie, cette corde a des siècles. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois ?
arrive. Oh, ça sent le test de silence. Bouge. Ta vieille corde là! Possible, hein. Bon sang, Rachel, arrête de t'agiter. Ça va la couper. Je suis désolé, Rachel. Je suis désolé. Il va pas me lâcher. Il va pas me lâcher. Non, non, je la cut pas. Non, 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 je la coupe pas. Je la coupe pas. Je ne couperai pas. Hors de question. Après, on va peut-être tomber tous les deux. Arrêtez! Vite! Mais quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Bah, je coupe, hein. Je coupe, je pense, hein. Je coupe. Oh, oh non, faut pas couper. Il faut attendre. Coupe pas maintenant, faut attendre. Les gars, incroyable, merci d'avoir joué, acheté le jeu compilé, version cinéma, histoire, nanan, soirée télé, l'union fait la force, faites passer la manette pour aller au bout de l'histoire, hors ligne, c'est pas mal ça. Ah ça c'est pas mal. Franchement, c'est horrible de s'arrêter sur ça. C'est horrible, t'as trop... Qui avait envie de voir la suite là ?